Donc on est pour l'épisode 11, on continue Final Fantasy VII Rebirth et on va attaquer tout de suite, hein. On va pas attendre, là, ça devient trop intéressant, j'ai envie d'avancer, donc let's go. Luffy avait se trimballé une matérielle géante dans les poches. Bon, ils ont dit que ça allait faire un patch pour l'éclairage au niveau des visages, parce qu'il y a des moments, apparemment, c'est très inégal dans la version performance, pas dans la version qualité. Mais je dirais qu'il faudrait même faire ça dans la version qualité. Je vous avoue que des fois, sur certains éclairages, après, ça le corrigera peut-être pour la version qualité aussi. Parce que l'éclairage global, ça touchera tout. Loot. Loot, on en profite. Surtout le zinc pour le craft. Je crois que c'est pas mal le zinc. Je regarde un peu si on n'a pas un coffre, une connerie. Oh, des... Alors, par contre, l'équipe, les gars, Barrett, Rouge 13, voilà, Cloud, Barrett, Iris. Je sais pas s'il faut aller là. Ah, bah, tu vois, j'ai bien fait de regarder, putain. On crache pas sur 1700 guilds. Alors. Et on fait quoi maintenant? Il faut baisser le pont. C'est le seul moyen de passer. D'accord, mais comment? Les gars, vous faites des sauts acrobatiques à la Advent Children, vous n'arrivez pas à passer ce petit gap au niveau du pont? Allez! Tu n'aurais pas une idée? Il y a un panneau de contrôle tout là-haut qui permet de baisser le pont. Et comment est-ce qu'on y va? En passant par la mine. Mais elle est désaffectée depuis longtemps. Alors ça pourrait être un peu compliqué. Oui. Oh, vous jetez pas dans la rivière. On va baisser le pont. Hey. Cloud. Viens là. La réunion l'appelle. C'est peut-être à cause de la Mako. Il devrait se reposer un peu. Pendant que Cloud récupère, on pourrait pas aller abaisser le pont ensemble? Bonne idée. On vous appellera avec ça là-bas. En attendant, tu restes tranquillement ici. Super! Ah, on contrôle Fufi. Fufi peut lancer son shuriken avec triangle pour détruire des caisses Shinra à distance et ainsi obtenir les objets qu'elles contiennent. Oui, on connaît, on connaît. Je vais juste regarder un petit peu. On prend les méga potions.
Non, mais c'est pas le... Ça, par contre, c'est chiant, tu vois. Les patines. Ah, ok, j'ai rien. Allez, let's go. Niveau HP, ça va. Ils auraient pu faire qu'on contrôle Tifa un peu aussi. Ça aurait été cool. Eh, en tout cas, ils ont mis les moyens pour les musiques. Hein. Là, les musiques, elles changent toutes les deux. Pack zone. On doit monter avec ce truc là sur la droite. Mais faudrait d'abord le remettre en marche. Trop bien. Attends. Je sais pas, j'ai un viseur avec elle, mais... Désormais utiliser le grappin pour atteindre des endroits impossibles d'accès en marchant ou en grimpant. Pour cela, vous devez y viser un point attaché avec, okay, avec L1. Enfin, L2. Oui. Trop bien. Allez, une matéria. Ah, double vipère. Voyons voir, qu'est-ce que ça vaut? Tourbillon. Ah, il y a un bon gap. Bon, on est limité en matériel par contre. Bon, tu me diras. Ok, let's go. Ok. Oh, c'était bien la peine de prendre le grappin. Ok, d'accord. Ninja. Elle est tellement vénère, Yuffie. Qu'est-ce que tu dis de ça,
Alors, on peut monter ici apparemment. Et du coup, ça mène où? On va aller jeter un coup d'œil. C'est le moment un peu plateforme du jeu. Ah putain, hey, j'ai failli prendre la tyrolienne là. Morceau d'émeraude. Eh, hey, qu'est-ce qu'ils sont radins en matéria dans les coffres hein, dans ce jeu. C'est une dinguerie. Je tombe rarement sur des matérias. Hein. Alors, soit il faut que tu prennes le chocobo pour faire une petite excavation, une petite recherche. Soit il faut que tu le craftes. Mais dans les coffres, que dalle quoi. Hmm. Ah, attends, est-ce que c'est de là d'où je viens ça? Allez, une matéria. Je tuerais pour avoir air d'effet avec Iris. Sérieux. Et quoi, c'est tout là C'est tout. Juste pour ça là. Coucou Yoshi, comment tu vas? Ok, donc là j'active l'ascenseur, d'accord. Pour que les autres puissent se venir, d'accord. Ouais, j'ai vu Yoshi. Alors, verdict sans bien sûr spoiler, hein. Coucou Alba. Et là, je suis déjà content. On vient de découvrir que Glenn. Ouais, j'espère que je vais pas. Enfin, attention sur le chat, bien sûr. Hein, que Glenn. Travaille pour le Wutai maintenant. Ils ont déserté la Shinra pour rejoindre le Wutai. Qui était censé être mort. Abattu par Rufus. Mais il est bel et bien vivant. Il fait directement lien avec Ever Crisis, du coup le jeu mobile que personne... Voilà quoi. Ah, Yuffie elle déchire. Hein. Bien sûr, le petit passage avec Zach qui a fait plaisir, qui est éphémère, qui est très court, mais bon. J'imagine qu'à la fin, ça va être énorme. J'ai hâte. C'est pour ça que là, j'essaie vraiment d'avancer. J'ai fait beaucoup d'annexes. J'ai bien... Attends, je viens de faire quoi, là? Le shuriken a heurté un obstacle. Ok, cool. Je viens de faire quoi là? Je suis monté pour descendre en fait. Attendez, faut que je reste focus. Ah, ah.
D'accord. Ouh. Ouh. Oh oui. Ah, trop bien. Par contre, toujours pas de matéria, quoi. Hein. Matéria, c'est en option dans ce jeu. Je tuerai pour air d'effet, bordel de merde. A plus, King. Ouais, te spoil pas si t'es pas encore là. Oui. Faut que je fasse gaffe quand même. Hein. Mais on avance, on avance. Toujours rien, mais il va falloir que je regarde aussi pour crafter. Ça marche, Mélanie. Bon app. Alors, on va. On a une casse là. On a des casses là. Et il faut que je réactive du coup. Le monte charge est en panne. Ok, faut que je continue là. D'accord. Oh, on a un gros oisillon. On a un gros oisillon. On va le taper. Un cocatrix, ça. Cocatrix. C'est fait. Alors, est-ce que pas un truc ici, genre... Un truc en hauteur, apparemment, non. Il y avait des caisses. Apparemment, on peut monter là. On peut descendre là-bas. On va quand même jeter un coup d'œil. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut utiliser les shurikens? Non.
ou t'as intérêt à être une matéria? T'as intérêt à être une matéria. Bon, c'est un bracelet. C'est quoi comme bracelet du coup? Ah, t'es de retour toi? Il a l'air recopé. Lol. Alors, on va descendre du coup. Mais je veux rien louper non plus. C'est pour ça que je fouille bien. Je préfère vraiment tout prendre. Alors. Ça m'a fait descendre tout en bas. Oh! Encore des poulets! Je sais pas ce que ça fait ça, mais je pense pas que... Oh, ça me les a foutus sur ma gueule. Ok, lui il est choqué. Qu'est-ce que j'ai bravoure avec Par contre j'ai pris cher avec avec Yuffie. J'ai pris un peu cher. Tu vas y arriver? Les doigts dans le nez. Ok. Ah ok d'accord. Va falloir faire tout le tour. D'abord le petit coffre, hein, le loot, le loot. Mais attends, ok d'accord, c'est pas grave. Baissons le levier. Du moins le remonter.
Alors. Maintenant, on peut prendre l'ascenseur. C'était bien la peine de prendre une méga potion tout à l'heure. Non mais attends, on est retourné au même endroit là. Attends. Je viens d'où les gars? Ça y est, je suis perdu. Là, je comprends pas trop. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai zappé? Ah, ok, d'accord, c'est bon. Alors, du coup. Tiens. T'as pas pu être une matériel bleu aussi, toi? Renforcement offensif. Mouais. Ok, alors, du coup. On voit que dalle là-dedans. Ok, donc là, on a un ascenseur qui n'est pas activé. Je viens désactiver un truc. Est-ce que ça a activé l'ascenseur? Non. Ah ouais, c'est te jeter dans le vide. Oh. Attends. Ah d'accord, ok. J'avais pas vu. Ok, gameplay sur 100 les gars.
Ah, j'ai loupé les caisses. La perspective était mon ennemi là dans l'angle. C'est obligé de faire comme ça. Hein. Petit à petit. Bon, et là, je peux pas descendre du coup? Non? Toujours pas? D'accord, ok, je comprends. Il y a un bombo. J'ai rien oublié. Allez, on se pousse de là. Allez, qu'est-ce que tu dis? Allez, c'est pas possible. Allez. Ah, les bombos. Oh la merde. On va le laisser se faire exploser. Hein. Voyons voir. Ouais, je vais pas gaspiller une super une méga potion quand même. Allez, pète. Pète. J'ai pas de magie à distance, fais chier. J'ai quoi à distance, moi? Voilà. On va activer ça d'abord. Bah attends. Petit passage avec Foufi, très intéressant. C'était sympathique. Oh. Oh, des petits oisillons. C'est gosse ou il veut les bouffer? Ah, le bébé de Cloud. Ah, il veut les bouffer. Aïe, il m'a fait un plaquage au sol là.
Ah putain, je pensais que j'allais le... Ouais, tiens, mange-toi ça dans les dents. N'empêche, on note qu'il a quand même une coupe de cheveux, enfin, il ou elle, je sais pas. Ramu, on a qui avec Yuffie? Ouais, Ramu, hein. Merde, Yuffie! Ah, j'ai pas vu que tu allais faire sa connerie là. Merde! Tellement, les combats sont tellement cool. C'est tellement stylé. Tellement classe. Allez, on l'a choqué. Allez, transcendant dans ta gueule. Va rejoindre ton papa Cloud. Allez, viens. Mais où tu vas? Merci pour les jets. Arrête, laisse-moi. On dirait que tu lui plais. Arrête, c'est trop injuste. J'y peux rien, moi.
ne me lâchera pas. Regarde, Tifa, t'as remarqué? Tu trouves pas qu'il a un petit air à Cloud? Un petit peu. Bon, alors tu vas t'appeler Choupi Cloud. On pourrait prendre ce chariot pour redescendre rapidement. Ça se coupe pas mal. Cloud Junior. À l'époque, Tain et moi. Oh. Grouillons-nous de baisser le pont et d'y aller. Oh. Le papa de Marlène. Bon, alors, Ah, mais c'est d'abord le pont. Ok, d'accord. Bon, c'était trop bien ce boss fight quand même. C'est avec ça qu'on contrôle le pont, hein? Voyons. Quel bouton? Laisse-moi faire. Bon. Alors. Ils ont réussi. Ouais. Voilà. C'est réglé. Maintenant, il n'y a plus qu'à appeler les autres. Ok. Allô? Ici Yuffie. C'est toi, Cloud? T'es timide? Comment tu te sens? Ça va mieux? Ça va, ouais. On va utiliser un wagonnet pour redescendre. De votre côté, vous allez nous rejoindre en suivant les rails. Il y a un pont suspendu un peu plus loin. On se retrouve tous là-bas. Entendu. Pendant que t'y es, tu peux vérifier l'aiguillage? Il y a quelqu'un ici qui a les jetons. Alors vaudrait mieux choisir la voie la plus tranquille. S'il te plaît, Cloud, je t'en supplie. Personnellement, je préférerais avoir des sensations fortes, mais bon. Excellent. Alors, on a Iris et Rouge 13 de nouveau. Ouh, toi, je te vois le coffre en bas là. Et du coup, l'aiguillage, parce que là, l'aiguillage, il est pas très aiguillé, hein. Le retour de la musique. Attendez. On va arrêter l'épisode là. On est à quel épisode là? J'ai dit 11, 12, 12, quelque chose comme ça. Ben voilà pour YouTube. Ouais, c'était sympa le petit passage avec Yuffie. Toujours sympa le petit. Tiens, le petit passage. Environnement, c'est sympa. On a vu le bébé Cloud aussi. le petit oisillon là, il est trop mime ça. Donc voilà pour cet épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis au prochain. À plus.